Liliane Nana, vous habitez à Saint-Maurice-de-Bénaud, oui. Où vous êtes réfugiée irakienne, vous êtes arrivée de Mossoul. Comment s'est passé cet accueil? En fait, c'était très bien. On était arrivés en France, c'était depuis 2018. On était chez une famille française. Du coup, c'était très difficile pour nous parce qu'on ne savait pas la langue française. Après, on a appris la langue. Il avait une... Et maintenant, vous parlez très bien? Pas très bien, j'ai toujours besoin d'apprendre, mais ça va. Oui. L'Irak, vous l'avez fui, c'est quoi? C'est Daesh? C'est le régime politique? C'est quoi? C'est Daesh. Comme nous, on est chrétiens, donc c'était compliqué pour nous pour vivre dans un pays qui est l'État islamique. Daesh. Pour vous, l'accueil par la France et par les Français surtout a été bien? Très bien, parce qu'heureusement qu'on a eu les gens qui sont français, qui nous aident beaucoup, beaucoup. Grâce à eux, on a appris la langue. Comment est-ce que vous voyez votre avenir maintenant en France, vous, votre mari et vos deux enfants? C'est nous qui on va construire notre vie. Donc on a commencé petit à petit pour construire une belle vie pour nous et pour nos enfants. Donc j'espère que ça va. Ça se passera bien. Bah oui, ça passera bien. Vous êtes chrétien. Comment accueille la communauté chrétienne aussi? Ils sont prêts. Ça va très bien. Très bien.